Allez, les joueurs qui sont prêts ou presque, les tribunes bien garnies. On attend tous avec impatience le début de ce match, le match dont tout le monde parle depuis pas mal de temps. Salut à tous, il fait beau sur Liverpool et sur Anfield aujourd'hui, ce qui, avouons-le, n'est pas toujours le cas. Je serai bien sûr avec Pierre Ménès qui nous fera partie des analyses. C'est la première ligue anglaise. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. C'est donc Liverpool qui mène. Thiago Alcantara. Pour la plus d'un Callum Wilson. Intervention parfaite, bonne anticipation. Roberto Firmino. Un joli coup d'œil de Firmino, belle passe en profondeur. Ouais, quel but! Oh, magnifique! On revoit ce but et cette passe en profondeur qui a tout fait basculer. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Il lui rend, première intention. Ouais, superbe ce geste défensif. Isaac Hayden. Jolinton. Callum Wilson. Ouais, bien joué le défenseur. Anderson. Avec Roberto Firmino. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Personne. Attention, parce que ça peut faire mal. Wijnaldum. Ouais, c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui. Le 3-0, toujours pas de réaction en face. Passé par-dessus. Il file seul vers le but. Et Sam Baker, attention, il a relâché le ballon. Thiago Alcantara. Anderson. Avec Roberto Firmino. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Et le but de Roberto Firmino. Ce n'est pas le premier qu'il marque dans ce genre-là. On voit tout ça avec ce 1-2 qui s'est révélé décisif. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui parse le but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. André Robertson. Oui, ça s'est donné comme il faut. Wijnaldum. Sadio Mané. Un tir raté et pas qu'un peu. Isaac Hayden. Jolinton. Matrici. Ouais, le ballon qui change de camp, magnifique. Roberto Firmino. Encore un bon ballon. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ah, la bonne qualité de ses passes. Wijnaldum. Encore Firmino. Il glisse ce ballon en profondeur. Wijnaldum. Oh, le but! Regardez, c'est bien joué, en doublant les passes, ils ont fini par trouver l'ouverture. Ensuite, à cette distance, ça ne sert à rien d'envoyer une ligne. Il faut surtout privilégier la précision, ce que tout le monde ne sait pas faire. Un mauvais ballon, ça. Wijnaldum.
Firmino. Il faut essayer de créer un petit peu de mouvement. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. C'est la mi-temps. 6-0 à la mi-temps. Je ne sais pas si j'avais dit. C'est reparti ici avec le coup d'envoi de cette seconde période. Les joueurs ont eu un peu le temps de souffler, puis surtout l'entraîneur avait dû rectifier les petites choses qui n'allaient pas en première période. Miguel Almirón. Callum Wilson. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Roberto Firmino. Esports vous proposera du championnat anglais pour cette rencontre. Liverpool affrontera Everton à l'extérieur. Quand on connaît l'état d'esprit habituel de ces deux équipes anglaises, ça pourrait être très sympa. Thiago Alcantara. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Ouais, la bonne interception et le danger qui va donc s'éloigner. C'est le gardien qui a le ballon. Ouais, ballon facile, hein. Il va pouvoir relancer son équipe maintenant. Thiago Alcantara. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Miguel Almirón. Pour Vignaldum. Roberto Firmino. Oh, but pour Liverpool! Les images de cette action qu'on est en train de revoir avec au départ un 1-2 qui prend la défense à revers. La finition à mi-distance est vraiment parfaite. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. L'action qui se poursuit. Thiago Alcantara. Oh, il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment. Si vous demandez ce que les supporters pensent de cette décision, ben maintenant vous le savez. Un placement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Mané. Allez, oui, il va y aller. Oh, c'est dedans. Ah, c'est magnifique le tiki-taka. Quand c'est comme ça, ça fait du bien de le revoir parce que ça faisait un moment que c'était passé de mode. La suite est brillamment exécutée avec une frappe bien placée hors de portée du gardien. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Mohamed Salah a toujours bas le pied. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Chelvé. Chelvé. Pour Anderson. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Roberto Firmino. À quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Le ballon récupéré sur cette intervention. Roberto Firmino. Avec ça. Oh, l'occasion. Ah, ça va être dedans. Et c'est le but. Eh oui, le gardien complètement à la rue. Parti à la pêche. L'issue de ce match ne fait plus aucun doute désormais. On avait prédit un match facile pour cette équipe. On ne s'était pas trompé. Oui, les joueurs ont pris ce match et leur adversaire très au sérieux malgré
l'écart évident sur le papier. C'est déjà un premier motif de satisfaction pour l'entraîneur. Oh, il est passé, il y a danger. Oh, le but, oui. On revoit ça, la passe en profondeur, la défense qui est en retard. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après, ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Voilà, c'est fini. Un match parfaitement négocié par Liverpool qui s'impose. Ouais, voilà, une journée de championnat.